Aujourd'hui, dans notre rubrique sport au féminin, je viens démonter l'image de la musculation réservée aux jeunes hommes et femmes sportifs. En effet, celle-ci apporte de nettes améliorations sur la conséquence de la ménopause. On voit ça tout de suite. Bienvenue dans Prépa et Performance. La ménopause se traduit cliniquement par un arrêt des règles. C'est un processus physiologique qui apparaît à une moyenne d'âge de 51 ans environ chez les femmes. Biologiquement, il se produit un arrêt de sécrétion des hormones féminines, l'œstrogène et la progestérone, dont nous avions déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Cette carence hormonale a un effet variable en fonction des femmes. Ça peut se traduire par différents symptômes, comme un impact sur la qualité du sommeil, des fluctuations de l'humeur, créer des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une prise de poids, etc. Parmi les conséquences non visibles, la carence hormonale diminue la densité osseuse et accélère l'atrophie musculaire. En clair, on constate une importante diminution du volume musculaire. Or, on sait que cette perte de force peut emporter de façon importante le quotidien de tout un chacun. À terme, le risque majeur étant une incapacité à réaliser les activités du quotidien et donc une perte d'autonomie. Pour répondre à cette problématique, on a longtemps eu tendance à se tourner vers les activités cardiovasculaires. En effet, celle-ci va permettre de jouer sur les symptômes énoncés précédemment. Cependant, on en oublie le maintien, voire le développement de la masse musculaire, tout aussi important. Et souvent, on est beaucoup plus frileux sur les recommandations, comme évoqué lors de notre vidéo sur le fractionné chez les moins jeunes, que vous pourrez retrouver juste ici. On limite l'intensité des séances pour les personnes plus âgées. En outre, les temps ont nettement changé. Aujourd'hui, les sociétés savantes d'activité physique recommandent d'ajouter au moins 2 séances hebdomadaires de renforcement musculaire. Celles-ci vont permettre de lutter plus efficacement contre la diminution de la densité osseuse et l'atrophie musculaire. L'intensité prescrite est normalement supérieure à 60% de la 1RM, celle-ci étant recommandée pour améliorer l'hypertrophie et gagner en force musculaire. Mais il peut paraître compliqué de proposer des séances de musculation supérieures à 60% de la 1RM du jour au lendemain à des femmes de plus de 50 ans qui sont parfois sédentaires, voire inactives physiquement. La question est donc de savoir si des séances à plus faible intensité vont avoir un effet bénéfique sur l'os et le muscle. Des études récentes nous montrent que l'entraînement à faible intensité, mais avec un grand nombre de répétitions et jusqu'à l'échec, y parviennent. Ils permettent d'augmenter significativement la masse musculaire, la force maximale et l'endurance musculaire chez les femmes ménopausées. Dans les études réalisées, il y avait au moins 2 séances hebdomadaires basées sur les recommandations sur une période d'entraînement d'au moins 8 semaines. Je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil à ces études que vous retrouverez comme d'habitude dans la description de la vidéo. L'intérêt majeur de ces études est d'amener progressivement les plus inactifs d'entre nous vers le renforcement musculaire. À terme, l'idée sera d'atteindre les recommandations proposées sur des séances orientées hypertrophie et force. Cependant, il ne faut pas penser que des intensités plus légères n'amènent pas de résultats. On pourra donc composer et mixer avec ces différentes méthodes. La limite qu'il est important de prendre en compte, c'est que ces études ne mettent pas en avant de volume minimal d'entraînement pour obtenir ces gains. Or, dans une logique de prévention et de progression, il sera important d'être très crescendo dans le contenu proposé. Nous espérons que ce sujet sera analysé à l'avenir. Également, ce qui peut paraître évident mais qui n'est pas à négliger, c'est l'apprentissage du mouvement. En effet, ces séances nécessitent une adaptation aux exercices de musculation pour éviter tout risque de malposition ou de blessure. L'objectif à terme sera de transmettre ces logiques plus tôt afin de ne pas perdre de temps une fois le cap de la ménopause engagé. Je peux vous conseiller de faire un focus sur les articulations les plus sensibles comme les hanches ou les poignets. En effet, avec le ralentissement de l'activité physique et cette perte musculaire, certaines articulations s'enraidissent et perdent en stabilité. C'est le cas pour les poignets avec un travail des fléchisseurs et des extenseurs plus rares, même pour de jeunes pratiquants. On n'hésitera pas à proposer du contenu spécifique sur cette zone pour améliorer drastiquement les sensations du quotidien. Également, qui dit charge légère dit matériel simplifié. Quelques élastiques, une ou deux haltères ou kettlebell, et c'est parti pour une séance à la maison. Il sera tout de même important de se faire aider pour les premières séances afin qu'elles soient de qualité. En conclusion, on peut dire que la musculation et le renforcement musculaire sont très intéressants à l'approche, durant et suite à la ménopause. 2 séances hebdomadaires permettront de lutter contre les conséquences de l'arrêt de production des hormones féminines. L'objectif sera d'augmenter sa masse et sa force musculaire. Les femmes plus sédentaires pourront débuter par un entraînement de musculation à poids de corps pour introduire le renforcement musculaire tout en ayant des effets bénéfiques sur leur santé.
Ces résultats ont un impact réel clair sur le quotidien. Une plus grande masse musculaire et une plus grande force maximale participeront à l'amélioration de la qualité de vie. Conserver une densité osseuse normale évitera le risque d'ostéoporose et donc de fractures liées au vieillissement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pourra vous convaincre de ne plus hésiter à proposer des séances de musculation aux femmes ménopausées. Je reviens bientôt avec la suite de ce contenu sport au féminin. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Deux séances hebdomadaires de renforcement musculaire. Ça me gratte. Je suis allergique. Un focus sur les articulations les plus sensibles. Je suis vraiment pas bonne à ce jeu, hein. Mais je...